Un groupe néo-nazi semble faire cavalier seul. Son nom, groupe d'intervention Russisch. Ces mercenaires seraient tentés de s'en prendre aux pays membres de l'OTAN, proches et frontaliers de la Russie, comme la Pologne ou les Pays-Baltes. Sur le compte Telegram de Russisch, les membres du groupe ont reçu l'ordre de collecter et rapporter toute information sur l'état des forces à la frontière entre la Russie et l'Estonie et la Lettonie. Russisch a des liens avec le groupe Wagner, la milice paramilitaire aujourd'hui très active dans la guerre en Ukraine. Les mercenaires de Wagner mènent une lutte acharnée contre l'armée ukrainienne à Barmout depuis le retrait russe de Kherson. Les agissements de Russisch pourraient être dus à une frustration grandissante quant à l'avancement de l'invasion russe en Ukraine. Le Kremlin affirme ne pas avoir de lien avec les groupes d'extrême droite armés présents engagés dans le conflit. Sur le front diplomatique, Moscou entretient désormais des relations glaciales avec Londres, la ville un temps destination prisée et lieu de résidence des oligarques, au point que la capitale du Royaume-Uni a été longtemps surnommée Londongrad. L'ambassadeur de Russie à Londres prévient la famille royale du monarque Charles III est désormais persona non grata à l'ambassade et ses environs. À Bruxelles, les Européens tentent de se mettre d'accord sur un 9e train de sanctions. Les ministres des Affaires étrangères réunis ce lundi et mardi devront probablement faire face aux réticences de la Hongrie qui a de nombreux désaccords avec l'Union européenne.